Marty et les grands amateurs de bonnes friandises, retrouvez tout votre bonheur dans le magasin Bonbonland à Landerneau, au 26 rue de Brest. Bonbonland, c'est tout l'univers du bonbon d'hier et d'aujourd'hui, en vente au poids et au détail. Bonbonland, la caverne à confiserie pour les cadeaux d'anniversaire, les départs à la retraite et pour toutes les occasions. À 19h15 jeudi soir, sur le terrain d'entraînement du complexe sportif Olivier Cadraon à Dirinon, l'échauffement vient tout juste de se terminer pour les féminines seniors. Sur les visages déjà bien rougis par les efforts, les premières perles de sueur glissent des fronts. Les joueuses au maillot rouge et noir peaufinent le physique et la technique avant d'accueillir dimanche après-midi les voisines du Stade Brestois pour le compte de la Coupe de Bretagne. Si les visiteuses font figure d'ultra favorites puisqu'elles évoluent deux niveaux au-dessus des Dirinonaises, Fanny Buanic et ses coéquipières sont très confiantes et nullement impressionnées. Alors pour nous, c'est un duel intéressant parce que justement, elles sont deux niveaux au-dessus. On verra, on va faire au mieux, hein, c'est la Coupe, c'est un match bonus pour nous. Et à Dirinon, l'engouement autour du foot féminin ne date pas d'aujourd'hui. Saison après saison, ils gagnent du terrain, comme le souligne Mélanie Kermarek, la responsable. Alors, le football féminin donc, à Dirinon est né depuis déjà bien longtemps. L'équipe senior féminine entame sa troisième année, mais avant ça, et depuis déjà pas mal de temps, il y a des petites qui jouent dans notre école de foot. Une implication de l'ensemble du club, dirigeants et éducateurs, tous soucieux de promouvoir et d'installer du football féminin de bon niveau sur la commune, qui lui a valu les reconnaissances des plus hautes instances du football français il y a quelques années. On a été labellisé par la Fédération française de football, d'ailleurs en tant que meilleure école de football il y a déjà 4 ans de ça. Une passion pour le ballon rond qui touche de plus en plus de filles qui, chaque saison, à la rentrée de septembre, sont de plus en plus nombreuses à venir chausser les crampons. Donc en senior féminine, on est 37 licenciés. En féminine, tout court dans le club, on doit atteindre les plus de 80 licenciés hein, de l'école de foot, donc de 6 ans à donc, chez nous 47 ans. Quant aux ambitions sportives, elles sont clairement affichées. Les équipes adverses sont prévenues, les filets vont trembler. On a deux équipes engagées en district. Je pense que la première va essayer de viser le haut de tableau pour pouvoir accéder à la deuxième partie de championnat qui va se diviser ensuite. Et puis, la deuxième, on va essayer de viser le milieu de tableau. Et pour monsieur le coach au masculin, pas de souci, c'est toujours un plaisir de venir s'occuper et encadrer cette équipe féminine. Les filles, ce qui est super avec elles, c'est qu'elles sont super motivées. Donc elles sont à l'écoute là, à l'entraînement, au match. Non, c'est pas plus compliqué.